l'amour réciproque entre vous devienne une réalité. On a compris que la connexion entre les Philippines et l'Europe est difficile. Faites un peu de bruit, s'il vous plaît. I'm Gio from Manila, Philippines, and with me today is Jessica. Je suis de Manila. Hey, Jessica. Où es-tu? Okay. Relax. L'autre présentateur. I'm gonna call her. Wait. Je vais l'appeler, attendez. Wait. Wait. Un peu de patience. Oh, hello, hello. Jessica, where are you? Hey, Jessica. Je suis là. Et tu es où? Je suis en route. Mais le programme commence à 4 heures. Ok, ok. Ok, ok, j'arrive, j'arrive. Ciao, ciao, j'arrive. Oui, mais tout le monde est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis là, j'arrive. Oh, well, because you know the traffic here in the Philippines. Il y a beaucoup de trafic, tu sais, ici aux Philippines.
Salut tout le monde. Rien n'est prêt. Je cours et rien n'est prêt. On t'attendait. Et maintenant, il va voir Louis qui va venir ici. Salut tout le monde. Louis, long time no see. Combien de temps déjà qu'on ne se voyait plus, hein? Last time we meet, it was in Genfest 2010. Yeah, we were together. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était lors du dernier Genfest. Nous étions ensemble en Europe. Et donc, c'est le premier Genfest ici à Mali, en dehors de l'Europe. C'est le premier en Asie. Mais pourquoi on ne leur montre pas au lieu de leur dire, on leur montre? Ça a commencé en 1973.
Nos convictions, nous devons nous y mettre. Nous trouvons la porte de notre communauté, dans notre communauté. C'est notre décision. Nous ne voulons pas construire de murs, mais laisser l'amour ouvrir nos cœurs et accueillir chacun. Nous sommes tentés par le chemin le plus facile, car nous ne voulons pas souffrir en cas d'échec. Malgré la route que nous choisissons, ça pourrait être dur. Nous le savons bien. Dire c'est facile ne suffit pas. Partager notre amour et ce faisant, nous deviendrons ce que nous sommes. Accepte-nous tels que nous sommes avec quelques peurs et quelques doutes. Puis, nous retirons nos masques et nous y arrivons.
pour aller au-delà de toute frontière, nous devons nous libérer de la peur et de toute limite que nous pourrions nous fixer. Pour aller au-delà de toute frontière. Bonjour à tous. Bonjour au GenFest. Au-delà de toutes les barrières. Nous sommes là aujourd'hui pour parler. Je m'appelle Cheska et je veux vous entendre. Je m'appelle Francisco de Manille, je viens de Manille. Allez, je vous dis ciao. Du Brésil, ciao à tous. Je m'appelle Louis du Burundi. Comment est-ce que vous allez? Tout va bien? Les personnes qui sont derrière aussi, attention, on vous voit d'ici. Hein. Commençons à nous connaître. Les personnes qui sont ici aujourd'hui peuvent entendre des personnes du Nord, du Centre, d'Amérique du Sud. My people from Africa. Des personnes d'Afrique. Yes. My homies from Europe. Tous d'Europe. Shout out to Asia and Middle East. Un grand ciao spécial à tous ceux d'Asie et ceux d'Australie. Il y a quelqu'un de l'Antarctique? Non, je pense pas. On ne sait jamais. Ça fait rien, allez. Alors, nous saluons nos amis de l'organisation, nos amis. Qui viennent de pays qui ne sont en guerre aussi, et de tous ceux d'autres associations comme l'Ashram. Bonjour à tous. Et du Brésil, de la Fazenda de l'Esperanza, la ferme de l'Espérance. Et maintenant que nous avons aussi toutes les personnes que nous avons saluées, maintenant nous allons faire venir sur scène d'autres personnes. Alors nous allons introduire maintenant l'ensemble musical. L'orchestre. Coco, où es-tu? Toujours en retard. Je me demande bien pourquoi. Ne prends pas non pas pour excuse pour arriver en retard. Alors, vous arrivez? Un applaudissement peut-être pour les faire venir. Les voilà. Coco, te voilà finalement. Oh, yeah, you did that to me also. Okay. Teka, ano nangyayari dito? Introduce daw the band. Introduce the band. Alors, c'est moi qui dois introduire donc l'ensemble musical. Attends un peu. Il faut peut-être une traduction. Quelqu'un peut nous aider pour la traduction? Ah, voilà. Bien seulement. Et merci de venir ici. Alors, nous allons saluer notre traductrice.
Bienvenue ici. Toi, tu parles à eux. Magandang hapon sa inyong lahat. En fait, elle ne dit rien. Toi, parlez à tout le monde. C'est fantastique. Est-ce que nous parlons la même langue? Toi, tu enseignes, n'est-ce pas? Tu m'enseignes comment je dois parler. I love you. Mahal kita. Comment dis-tu je t'aime? Oh. C'est facile. C'est ça? They clearly understood each other. OK. Ils se comprennent, tout va bien. Nous l'avons vu. Merci beaucoup. Ça a été très étrange, je dirais, comme expérience. Merci pour des personnes aussi talentueuses. Où est le maître? On devrait être plus de 3 vlogueurs. Où sont les vlogueurs? Il y a d'autres vlogueurs aujourd'hui? Où êtes-vous? Ah, là-bas au fond. Mais où est-ce que vous étiez? Nous, on est là. Attendez. Alors, on fait un selfie. Qu'est-ce que serait un vlogueur sans selfie? On vous attend, hein? J'étais avec eux. On a vécu quelque chose de fantastique. We also did workshops and on a fait des workshops. Ils ont fait un Gen Fest dans leur pays avec des workshops, des ateliers. Nous avons eu le temps de contempler la nature et de jouir de tout de la nature. C'était fantastique. Aux États-Unis, j'ai entendu qu'un groupe est venu d'Espagne. C'est quelque chose de très spécial. Nous avons eu l'autorisation d'aller là. Nous avons réussi à rentrer à la prison, à l'hôpital, pour voir les personnes. En fait, c'est ce qu'ils ont fait avant le Gen Fest. Il y a un groupe de Hong Kong, n'est-ce pas? Eux, ils ont pu observer la différence entre les parties les plus riches de la ville avec les plus pauvres. C'est tout ce qu'ils ont vécu avant le Gen Fest. Maintenant, on va voir quelques photos, même une vidéo. Tout ce qu'ils ont vécu dans les différents lieux de Manille avant le Gen Fest, avec les personnes âgées, dans les hôpitaux, avec les petits-enfants, comme on le découvre là.
thème, c'est aller au-delà des frontières. Donc, ils sont allés dans tous ces lieux de grande pauvreté, ou aussi dans des temples bouddhistes, à la rencontre de, d'autres cultures ou de personnes de milieux plus pauvres. Tu es aussi au Vietnam pour faire ces différents workshops. Back in Brazil, I have a friend who lives in the same city as me. Every day he goes out and sees so many needy and poor people. So at his work, he receives a small amount of money every day where he can buy food in the canteen. So he thought... Et j'ai acheté de l'argent pour... au travail que je recevais, comme ça je pouvais lui donner une petite collation chaque jour à cette personne qui était dans le besoin. Parce que là, à São Paulo, il y avait beaucoup de pauvres. Il y a un petit problème technique, on va attendre que le signal revienne. Donc elle disait que les grands objectifs sont atteints lorsque nous commençons par faire des petits pas. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré quelqu'un à São Paulo. Il m'a dit qu'il voit beaucoup de gens dans la rue qui sont pauvres et qui sont dans le besoin, et ça le dérange beaucoup. Même s'il a eu des moments difficiles dans sa vie, il a toujours eu assez pour survivre. Et à son travail, comme justement il reçoit un peu d'argent, comme je disais, et pendant ce temps que de ce problème technique, nous pouvons dire que le GenFest est né en 1973, et c'est maintenant sa 11e édition. Et c'est donc la première fois qu'il se tient en dehors d'Europe. Manille, c'est la capitale des Philippines. Et donc, il a lieu du 6 au 8 juillet. Il y a 6 000 jeunes du monde entier. Et il y a aussi des jeunes qui viennent, qui sont reliés aux 23 GenFest locaux qui ont cours au même moment. Et donc, pendant ces 3 jours, il y a des GenFest partout dans le monde qui se tiennent. Et nous disions que nous avons choisi les Philippines parce qu'ici, il y a pratiquement 6 jeunes sur 10 qui vivent dans ce continent. Donc le GenFest a commencé en 1973 au Centre National de Piano près de Florence. Il y avait là, à ce moment-là, 8 000 jeunes de toute l'Europe, de toutes les expressions d'ethnie, de culture et de religion différentes. Et le titre de la première édition était « Au monde, au-delà de toute barrière ». En 1975, au Paléour de Rome, c'était la seconde édition sur le thème « L'unité est possible ». Ils ont été présents à ce moment-là, 20 000 jeunes, et pour la première fois, c'était des jeunes qui venaient des 5 continents. Et Paul VI, en les recevant, s'exclama « Ici naît un monde nouveau ». En 1980, en pleine guerre froide, 40 000 jeunes se sont rassemblés au stade de Flaminio de Rome, et là s'est dessiné l'objectif « Pour un monde uni ». En 1985, c'était le 4e GenFest qui saigna un moment clé. C'était le mouvement Jeunes pour un monde uni qui naissait, animé par les Gen, qui sont les jeunes du mouvement des Focolari. Et le titre de l'édition était « Beaucoup de chemin pour un monde uni ». Il y a l'événement qui s'est déroulé au Paléour de Rome, participaient des milliers de jeunes qui étaient reliés téléphoniquement, aussi en Australie et en Amérique. En 1987, dans 40 pays des 5 continents, 12 000 jeunes se sont recueillis aux GenFest nationaux pour regarder sur la désunité dans sa propre terre et commencer des interventions concrètes et bien visées sur certains objectifs.
En 1990, le Mont-Denis était idéal qui se fait histoire. C'était, vous vous rappelez, l'écroulement des murs entre l'Est et l'Ouest et qui semblait accélérer le temps. Et au Paéour de Rome étaient finalement présents des jeunes aussi des pays de l'Est qui, justement, avec l'écroulement du mur de Berlin. Et donc, pour les accueillir, c'était justement Jean-Paul II qui était là. Et il y a eu une liaison vidéo via satellite qui a transmis le GenFest dans chaque coin de la Terre. En 1993, 130 000 jeunes se donnent rendez-vous aux 56 GenFest nationaux, à l'enseigne de l'unité des peuples. En 1995, encore au Palais de Rome, le GenFest a pour thème « Faisons voir le monde uni ». Il y aura un grand retentissement médiatique. 4 satellites et 400 télévisions nationales peuvent suivre donc en direct ce message du GenFest qui arrive à des millions de personnes. Et c'est là que commence pour la première fois la semaine Monde Uni. Enfin, en 2000, au stade Flaminio à Rome, le GenFest. On va voir si ça peut reprendre. Le GenFest s'insère comme un événement à la Journée mondiale des jeunes, donc à Rome. En 2012, la 10e édition du GenFest est la première qui a lieu en dehors d'Italie, c'est à Budapest, la capitale de la Hongrie, sur le thème « Let's Bridge ». En référence aux nombreux ponts, jetons des ponts, en référence aux nombreux ponts caractéristiques de la capitale hongroise. Et c'était donc une manière d'utiliser la métaphore des ponts et de créer entre les personnes de cultures et de nationalités différentes, donc ces liens, ces ponts. Enfin, nous arrivons à la 11e édition du GenFest, qui est la première donc, qui a lieu en dehors d'Europe. Et cette fois, l'événement se déroule donc au World Trade Center de Manille, aux Philippines, sur le thème « Au-delà des frontières ». Donc avant qu'il y ait la coupure, on était en train d'entendre cette expérience du Brésil. Oui, donc je disais qu'il avait reçu un peu d'argent du travail pour donner une collation aux personnes qui avaient le plus besoin autour de lui. Et là, il se rendait compte, ce jeune, que justement, il devait commencer par lui-même, qu'il ne devait pas attendre. Et comme ça, il essayait de reconnaître en chaque personne qu'il rencontrait un frère, une sœur. Donc des petits gestes au nom de cette fraternité, au nom de cet amour. Et il s'est ressenti qu'il n'était pas seul. Et donc il dit, voilà, nous sommes ici pour témoigner de cette réalité de fraternité universelle et nous voulons diffuser cette réalité dans le monde entier. Ce sont peut-être que des petites expériences, mais elles nous donnent un avant-goût de ce à quoi ressemble un monde plus uni. Je pense que là-bas sur place, le programme continue. Mais voilà, donc en attendant de pouvoir... Ah voilà, on entend maintenant la musique non, qui revient dans le fond des oreilles, mais... Une autre expérience de Noé Herrera du Mexique qui nous raconterait justement que les murs divisent les nations et les cultures et les personnes. Par exemple, j'ai grandi devant un mur qui sépare deux nations, les États-Unis et le Mexique. Et je m'appelle... Ah, voilà. On va voir où on est maintenant retombé. Oui, voilà, et justement, il parle des différences qu'il y a entre les différentes régions. Et on se tient justement l'un l'autre dans le cœur au-delà de toutes les différences. Nous sommes un seul peuple parce qu'un vient du Mexique et l'autre vient de Californie. Et ils sont donc de part et d'autre du mur qui les sépare. Et justement, ils ont fait une marche le long de ce mur ensemble. Ils étaient 200 jeunes. Et les personnes qui ont eu le privilège de regarder la planète depuis l'espace, elles parlent justement de voir le monde uni depuis l'espace. Et on voit que là, la vie humaine, il n'y a plus
de limites, de barrières à partir de l'espace. Nous avons créé ces limites, ces barrières qui de là-haut sont invisibles. Et donc le motif pour lequel nous sommes ici à avoir cette fraternité, pour nous, ces limites que nous voyons sont inutiles. Il y a un astronaute qui a dit de là-haut, il a dit, il est très clair que sur Terre, nous sommes qu'une seule humanité. Merci beaucoup. This next song. La prochaine chanson, on va voir si on arrive à l'entendre. La prochaine chanson, c'est Terre de paix par le Jen Verde. Ici, dans le désert, des deux côtés de la frontière, nous nous éveillons tous à la même beauté des montagnes. Vent de suspicion, peur de perdre ce qui est à moi, brûlé comme les sables autour de nous, nous séparant. Je suis le mur, je suis le rêveur, je suis la liberté, je suis l'agent, je suis les larmes d'un enfant qui a besoin d'un chez-soi. Ici dans le désert, des deux côtés de la frontière, nous nous réveillons avec la même rivière qui va. Si j'ai de la science, si j'ai de la chance, je resterai. Et de lutter, je ne me lasserai pas. Je suis le mur, la peur et un meilleur avenir. Un passager de la bête, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Qu'on voit la frontière. Écoute ce que dit la frontière. Je suis le voyage, je suis la justice, je suis l'espoir, notre terrain d'entente. Mon cœur, terre de paix, s'il fait sienne ta souffrance, notre terrain d'entente. Comment vas-tu? Dis-moi quelque chose de ta ville.
Alors, je m'appelle Jem et je viens du Salvador. C'est un pays d'Amérique centrale. C'est un petit pays riche de ressources naturelles et d'histoire indigène. Toutefois, le Salvador souffre depuis plusieurs années d'instabilité politique, d'injustice sociale et de pauvreté, si bien que des formes de violence et de conflits sociaux sont apparues. Et comment vous faites avec ta famille? Comment vous réagissez? Et ces dernières années, la violence s'est intensifiée chez les habitants, le manque de souffrance s'est installé car tout le pays menaçait. Aujourd'hui, la situation est dramatique et nous sommes impuissants. Dis-nous vraiment ce que tu penses et qu'est-ce que vous faites concrètement? Nous essayons d'opérer un changement. Et quel est votre projet, justement? Donc, avec les jeunes pour un monde uni, nous essayons avec les jeunes pour un monde uni, de travailler pour la paix. Nous essayons d'impliquer beaucoup d'autres personnes pour changer justement, on nettoie les routes, on nettoie les murs, on aide les personnes qui n'ont pas de toit, les SDF, et nous le faisons avec un groupe d'étudiants. Ce sont donc des petites activités que vous faites et vous opérez comme ça une différence dans votre région. Et ça, c'est une source d'inspiration pour nous. Parce que nous aussi, nous voulons changer le monde. Et vous commencez concrètement. Nous réussissons peut-être pas à changer complètement notre pays, mais à travers ces projets, mettre carré. C'est ça un peu notre slogan, change ton mètre carré. Et c'est ça que nous essayons de faire. Alors maintenant, pourquoi nous ne le faisons pas, nous aussi, dans notre quotidien, de changer notre mètre carré, hein, change tes pieds carrés, qui est une unité de mesure chez vous. Et donc, nous le demandons à notre public. Merci beaucoup, Jem. C'est une source d'inspiration pour nous tous de changer aussi, nous, notre mètre carré. Alors, pourquoi ne le faisons-nous pas maintenant? Dis-moi davantage. Nous avons développé... D'où êtes-vous? D'où êtes-vous, Lewis? Le groupe A et B. Alors, ce sont ces deux fils. Et donc là, c'est un groupe, là, c'est un autre groupe. Alors maintenant, nous allons donc faire une dynamique. Alors, vous mettez debout ces deux groupes, A et B. Voilà. Alors maintenant, tout le monde, tous ensemble, vous mettez debout. Ça, ce sont la règle. Écoutez bien attentivement. Quand vous entendrez la musique, vous bougez dans le sens horaire. Donc, première file, vous allez par la droite, tandis que la seconde file va en sens contre-horaire. Et comme ça, donc, nous allons marcher en cercle. Voilà, commencez à marcher en cercle, dans un sens pour un groupe, dans l'autre sens pour l'autre groupe. Quand la musique s'arrête, vous vous arrêtez aussi. Alors, nous allons essayer tous ensemble. Attention, on va lancer la musique. Tous debout. Stand up. All right, now that the music has stopped, everybody listen up. I want the people in the front row or row A to face the person
behind you. Alors, vous regardez en face la personne qui est derrière vous. Parfait. Donc, vous voyez de nouveaux amis maintenant. Maintenant, vous écoutez. Ciao. Un petit problème technique. C'était juste une petite pause rythmique pour se dégourdir les jambes et se participer. Et aussi faire connaissance. Donc, avant le Gen Fest, les jeunes sont allés à Manille à la recherche de personnes différentes, de différents. Ça y est, ça reprend. Alors, maintenant, on va changer chaque mètre carré. Vous pouvez faire des compliments, féliciter ceux que vous avez à côté, vos nouveaux amis. Alors, félicitez-vous, faites-vous des compliments avec vos nouveaux amis que vous venez de connaître. Fantastique. Donc, des paroles positives, moi j'aime. Alors, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour dans cette salle. Avec ces nouveaux amis, on peut échanger des paroles positives. Un début, donc, pour changer son mètre carré. Vous retournez maintenant à votre place. On peut mettre un peu de musique. Pour continuer à la dynamique de groupe. Oui, donc ils ont fait des activités à la découverte de milieux plus pauvres, de milieux différents avec des personnes d'autres religions. Et à l'intérieur de ce Gen Fest, il y a aussi des forums, 110 forums sur des thèmes clés donc, pour construire une société plus ouverte et solidaire. Sinon, ils présenteront eux-mêmes à la fin ce qu'ils proposent, donc on ne peut pas anticiper, mais toujours est-il que ce Gen Fest 2018, sa nouveauté, c'est l'idée de ne pas avoir peur de se salir les mains et d'aller aussi au-delà de la mentalité courante qui porte à fermer les frontières. Maintenant, nous avons un groupe du Burundi qui chante normalement en français. Le monde peut sembler injuste, nos cœurs ne changeront jamais. Le monde peut sembler malhonnête, nous avons fait un choix de vie. Chante les mêmes paroles en swahili. C'est le jeune sourire du Burundi. C'est un ensemble musical qui chante là-bas. Thank you.
le swahili, il y a le luganda, donc un différent dialecte du Burundi. My name is Egide Ndouayezu from Rwanda. Je suis Egide du Rwanda et je suis Jean-Paul du Burundi. Quand j'étais en train de rentrer à la maison, j'attendais le bus et c'était un endroit très dangereux de la ville. Et j'ai rencontré un jeune et il me semblait que c'était dangereux de rester à cet endroit-là si tard dans la nuit. Je sentais que c'était risqué pour un jeune étranger qui était là. Alors je lui suggérais de passer la nuit chez moi et donc nous avons marché à pied et nous avons été agressés par un groupe de 6 jeunes. Ils nous ont battus, ils nous ont jetés dans un fossé, et il pensait que moi j'étais mort. Je suis resté inconscient pendant environ une heure. Quand je suis revenu à moi, j'ai compris que je ne pouvais pas bouger mon corps, et de la poitrine jusqu'en bas. Et j'ai commencé alors à crier, et mon nouvel ami est venu à mon secours, parce que lui n'était pas aussi grièvement blessé que moi. Et alors, avec l'aide de 2 policiers, j'ai été emmené dans un hôpital voisin. Et l'amour que j'avais montré à ce nouvel ami m'a sauvé la vie. Parce que s'il n'avait pas été là, moi, je serais mort. Il avait répondu à ma générosité par son amour. Après une semaine passée à l'hôpital, j'ai été transféré à Kigali, la ville d'Égypte, donc au Rwanda. Lui que j'avais à peine rencontré, disons, le bord de la rue. Et là, je suis resté au lit et je ne pouvais pas bouger parce que j'étais paralysé et je souffrais énormément. J'ai ressenti sa douleur comme si c'était dans mon propre corps. Cependant, j'ai été étonnée qu'il ait continué à sourire après ce qui lui était arrivé. Il a donné de la joie et de l'espoir à tous ceux qui l'ont visité. Je dirais qu'il a irradié la lumière dans cette situation difficile. Quand je l'ai vu, je savais qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper quotidiennement de ce dont il avait besoin. Jean-Paul, c'est quelqu'un d'un pays voisin. Donc Séverine du Burundi restait et s'occupait de lui, mais Séverine avait besoin de retourner à l'école pour étudier. J'ai offert de prendre sa place. Ce n'était pas facile parce que j'avais un petit travail qui me soutenait financièrement. J'ai décidé de quitter mon travail et d'aider Jean-Paul à plein temps. Ma mère ne pouvait pas comprendre.
que je quittais mon travail pour ça. Elle croit que même un petit travail est un bon début pour un meilleur avenir. Cependant, j'étais déterminée et elle m'a laissé partir. Un mois plus tard, j'ai subi une opération à l'hôpital King Faisal qui m'a aidé à me redresser. C'est un miracle. Parce qu'après l'accident, beaucoup de gens ne croyaient pas que j'étais capable de me déplacer à nouveau. C'est aussi un miracle parce que tout l'argent pour payer ce traitement a été récolté par des personnes qui connaissaient les jeunes parents d'Uni. Quelques jours après, nous avons déménagé dans un centre d'éducation afin de pouvoir commencer la kinésithérapie pour m'aider à marcher à nouveau. La kiné était très dure, mais je n'ai pas abandonné. J'ai été rééduqué et à la fin, c'était le succès. J'ai pu marcher avec des béquilles, même si mon pied gauche n'est pas encore complètement rétabli. Je suis rwandais et il est burundi. Notre relation a rapidement attiré l'attention des infirmières, des médecins et d'autres patients. Pendant tout le temps passé ensemble à l'hôpital, Jean-Paul a beaucoup souffert, mais il continue à sourire. Beaucoup de gens, y compris moi-même, ont été étonnés par son attitude. Beaucoup ont été convertis par son courage et sa détermination. En fait, avec l'aide de toute la famille des Jeunes pour un monde uni, de nos amis qui nous ont visités, nous avons pu surmonter toutes les souffrances et vivre au-delà de toute frontière. Et si, je me souviens... Je remercie Dieu pour l'aide qu'il m'a apportée au cours de ces 2 ans. Il m'a donné la force et le courage de ne pas abandonner. Et de tout mon cœur, je remercie toute ma famille, Chiara qui m'a aidé et qui continue de le faire. Il m'a regardé fort et m'a donné le courage de ne pas abandonner. Je vais toujours au centre de rééducation où les kinés m'aident à marcher sans béquilles. Je veux remercier mes amis et tous les jeunes pour un monde uni, pour leur aide, pour l'argent aussi qu'ils m'ont donné pour aider à payer ce traitement et pour ma guérison. J'ai appris que celui qui donne tout pour l'amour, par amour, n'est jamais seul. Après tout ce temps passé avec Jean-Paul, Dieu m'a récompensé. J'ai reçu des fonds pour retourner à l'école. J'ai trouvé un travail meilleur que celui que j'avais quitté. Je remercie aussi Dieu d'avoir fait ce que tout le monde croyait impossible en aidant Jean-Paul à se rétablir. Je suis heureux de le voir aujourd'hui dans ces conditions et je remercie Dieu pour son aide et je remercie tous. Maintenant, ce sera une chorégraphie qui s'appelle Narnia sur le thème de nos barrières personnelles.
Here is Kota, a friend of mine. Je m'appelle Kota Fukui, je viens de Tokyo et je suis bouddhiste d'Arisho Kosegai. Kota, how do you say hi in Japanese? L'un des plus grands mouvements bouddhistes laïques du Japon. Now let's listen to his experience of how he went beyond his border. Cette année, j'ai décidé d'étudier au séminaire du Risho Kosaikai. Donc, je viens donc de Tokyo. Je suis bouddhiste. C'est un mouvement bouddhiste qui est diffusé ici au Japon, qui est fondé par Nikyo Nivano. Il y a 2 ans, j'ai décidé d'étudier au séminaire d'Arisho Kosaikai pour approfondir ma foi, mais aussi pour me changer moi-même. Au séminaire, j'ai un maître de stage qui m'accompagne à travers mes difficultés personnelles. Il m'aide à faire la différence entre ce qui me vient à l'esprit. Je voulais faire cette formation parce que j'avais appris un enseignement bouddhiste appelé les 3000 royaumes dans un seul esprit et un autre appelé l'éveil interdépendant. Ça signifie que même une seule pensée venant de l'esprit peut avoir une influence durable sur le monde. Ce qui veut dire que mes actions et mes façons de percevoir le monde peuvent avoir une influence durable pendant de nombreuses années à venir. Et donc, j'ai étudié pour être plus honnête, plus sincère, que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans mes actions pratiques, pour voir aussi d'où venait cette souffrance que je ressentais en moi. Et j'ai commencé à observer les réactions que j'avais quand je rencontrais les personnes au fil des jours. Et en faisant ainsi, presque tous les jours, j'ai réussi à comprendre qu'est-ce qui fonctionnait en moi. J'ai commencé à mieux comprendre ce qui se passait. Et mes parents étaient toujours occupés par leur travail et par les activités de l'Arisho Kosaikai. Et souvent, ils sortaient, ils me laissaient seul ou chez quelqu'un d'autre avec ma petite sœur, dont je sentais que je devais m'occuper. Tenter d'être un frère aîné, responsable devant mes parents, me faisait inconsciemment renoncer à devoir compter sur eux et par conséquent me rendait nerveux et incapable de leur exprimer mes sentiments. Alors j'ai dit à mon maître que j'avais compris. Il m'a demandé alors, qu'est-ce que tu aimerais faire avec tes parents? J'hésitais à m'ouvrir même à mon maître de stage, mais il m'a encouragé à exprimer tout ce que je ressentais intérieurement. Finalement, j'ai trouvé le courage d'exprimer les émotions que j'avais réprimées depuis si longtemps. Je leur ai dit, je veux être capable de parler sincèrement à mes parents sans devenir nerveux. Et je veux leur dire à quel point je les aime. Et cette nuit-là, il m'a conseillé de réciter le sutra, tout en pensant à ma mère dans mon cœur. Quand j'ai commencé à réciter le sutra, quand j'ai récité cette prière, il m'a semblé que les mots du Bouddha étaient les mots que ma mère me disait « Je veux juste que tu sois heureux, peu importe ce que tu peux ou ne peux pas faire. » Je ne pouvais m'empêcher les larmes de couler. Et ce soir-là, j'ai appelé ma mère et je lui ai tout dit. Je me suis également excusé d'avoir été aveugle à son amour pendant si longtemps. Et je lui ai promis d'être un fils respectueux à travers ce moment. Et ma mère a été accueillante et compréhensive. À ce moment-là, ma souffrance qui venait du fait de désirer sa reconnaissance et sa louange a disparu. Et le monde entier semblait être plein de lumière. Grâce à cette expérience, j'ai appris qu'en changeant de perspective, le monde peut apparaître différent. Même si les choses autour de nous ne changent pas pour un mieux, notre façon de les voir changera naturellement. Cela ne veut pas dire que je ne souffre plus. D'autres causes de souffrance sont encore profondes en moi et je veux y concentrer mon attention. J'étais capable de comprendre vraiment l'enseignement du Bouddha de l'éveil interdépendant. J'ai pris conscience de cela grâce à ma foi. Je veux le dire au plus grand nombre de personnes possible, car nous pouvons tous ensemble marcher sur ce chemin qui mène au bonheur. Et je veux partager mon expérience avec le plus de personnes possible pour pouvoir marcher ensemble vers ce parcours du bonheur.
Ce chant s'appelle « Frapper à tant de portes » de Gian Rosso. Tant de portes pour trouver du travail. Étrange sélection qu'ils font. Case à coucher, quiz, clic et toujours quelqu'un pour passer devant. Être ingénieur, c'est dur. Ne pas réussir à imaginer ce que sera ton futur. C'est un métier qualifié qui a peu de débouchés sur le marché. Et après 2 années, tu te demandes, mais pourquoi donc ai-je étudié? Si tu es à ma place, tu serais presque désespéré. Finir par vendre une encyclopédie, c'est un bon job, quoi qu'il en soit. Chercher à en affubler les ménagères à force de flatteries. Et je me souviens que des larmes coulaient pendant que je conduisais. Moi, dans mes mains, je n'avais rien. Avec ces larmes jaillissaient de mon cœur, mon chant à Dieu. Je ne me rappelle pas si c'était de la douleur ou bien de la joie d'avoir seulement Dieu. Et puis voilà qu'une grosse boîte me fait passer un entretien qui marche bien. D'accord, ingénieur, vous êtes préparé et nous vous embauchons car vous êtes le plus à même. Armi. E dopo 20 anni hai capito per cosa studiato. Se sei nei miei panni, ti senti che sei arrivato. Sì, d'accordo che io sono cristiano, ma che c'entra se io accetto non c'è niente di strano. Questo è proprio il lavoro mio e anche in questo ambiente posso amare Dio. E mi ricordo lacrime che scendevano mentre guidavo. Io non avevo pace dentro me. Che devo fare io non so, io non vedo chiaro. Che devo fare di questo che è il mio lavoro. E mi ricordo l'amore di amici, un amore che luce per me. Ed era Dio. È pazzia l'idea di rinunciare a quest'unica proposta che mi può realizzare. Di gente che lavora con le armi in fondo, ce n'è tanta in questo mondo. Io mi dissi tanti lo faranno, lo so, come loro uguale a loro sistemarmi potrò. Io mi dissi tanti lo faranno, lo so, ma io no. E mi ricordo lacrime che scendevano mentre guidavo. Ancora una volta niente nelle mani. Con quelle lacrime usciva dal cuore mio. Con quelle lacrime usciva il mio grazie a Dio. E più non era dolore ma gioia, la gioia di avere per me Lui. E mi ricordo lacrime che zampillavano pure dal cuore. C'era una gioia immensa dentro me. E non avevo perduto niente, certo io, ma avevo fatto un altissimo volo in Dio. Avevo tutto perché ero suo figlio, ero figlio di Dio, ero io. E mi ricordo gli alberi che si inchinavano lungo la strada. Io mi ricordo il sole che illuminava. E non sapevo nemmeno che alla fine del viaggio mi attendeva un inimmaginabile messaggio. Era l'amore di Dio che guidava i miei passi ed io stavo con Lui. Stavo con Lui. Yeah, yeah. Bon. Une recherche de travail qui se conclut toujours par un non. Mais à la fin, c'est la rencontre avec l'amour de Dieu qui est toujours présent avec nous. J'ai toujours pensé que la guerre était loin de moi, mais je me suis rendu compte qu'elle était plus près que ce que je pensais. Je m'appelle Tommaso, j'ai grandi à Vicenza, une ville du nord de l'Italie.
et j'ai vécu une vie tranquille en lieu sûr. À l'école primaire, j'avais des camarades qui venaient de différents pays et je me souviens que je m'entendais bien avec eux. Je souffrais quand je voyais que mes camarades se moquaient d'eux ou ne leur faisaient pas sentir qu'ils étaient les bienvenus. Je voulais faire quelque chose pour arrêter ce genre d'injustice, mais je ne savais pas quoi. Toutefois, depuis que j'étais petit, j'avais compris que quelque chose devait changer dans notre société et que d'une certaine façon, les gens ne devaient pas être aussi indifférents face aux souffrances d'autrui. En 2014, je suis allée en Jordanie au Moyen-Orient et là, j'ai vu par moi-même les conséquences de la guerre. J'ai visité des camps de réfugiés, j'ai parlé à des personnes de Syrie et d'Irak qui ont dû fuir leur pays pour rester en vie. Avec un ami, nous avons commencé presque par hasard un projet qui s'appelle « Non à la guerre ». Nous étions jeunes, inexpérimentés, sans préparation, mais pleins d'énergie et désireux d'aller au-delà de la réalité décrite par les médias. Nous avons commencé à contacter les personnes autour de nous et peu à peu, nous avons porté notre message dans des écoles, des organisations et en général aux citoyens. Et nous avons été surpris de nous rendre compte que les personnes étaient prêtes à écouter notre message. En effet, au cours de la première année avec cet ami, nous sommes parvenus à contacter plus de 20 000 étudiants. Notre objectif principal est d'éduquer les personnes à la paix en leur montrant ce qu'est la guerre, en la rendant présente aux personnes privilégiées comme moi qui n'ont pas expérimenté ces atrocités. Nous témoignons de la réalité que nous avons vue dans les pays en guerre et de la manière dont ces conflits détruisent les sociétés, minant l'espérance, la liberté et la possibilité de construire un avenir meilleur. Non à la guerre a attiré l'attention de milliers de personnes. Nous avons eu la possibilité de porter notre message à d'importantes institutions comme le Parlement européen et nous avons participé à des congrès en plusieurs pays du monde. En outre, chaque année, nous amenons beaucoup de jeunes à participer à des projets de volontariat en collaboration avec la Caritas internationale. Par l'intermédiaire de ces projets, des centaines de jeunes ont fréquenté des personnes et des familles qui vivent dans des camps de réfugiés et qui ont souffert de la guerre et nous voulons faire plus. Le fait d'être jeune ne nous a pas empêchés de porter de l'avant nos idéaux. Au contraire, nous faisons certainement encore beaucoup d'erreurs. Cela fait partie du jeu. Nous avons rencontré beaucoup d'obstacles, mais notre engagement à construire la paix est devenu une passion et fait partie de notre style de vie. Nous sentons que nous avons une responsabilité et cette responsabilité a pour nous un visage, une histoire et les noms de toutes les personnes que nous avons rencontrées. Grâce à cette expérience, j'ai compris que la paix commence par moi et fait son chemin lent, interminable et laborieux. Vers la cohérence entre ce que je suis et ce que je fais. Et là, c'est un énorme défi. Pour satisfaire les besoins de l'humanité, la chose la plus importante à faire est de répondre par nos vies en sortant de nos zones de confort. Nous pouvons changer le monde. Notre contribution peut sembler minime, mais elle est fondamentale dans la construction d'un monde uni, d'un monde de paix. Merci. Merci beaucoup. Jeunes du monde entier, jeunes amis du monde entier, vous êtes réunis à travers le screening partout dans le monde et sur le website. Et voilà, je vous donne des coordonnées pour suivre. Salut maman. Facebook, Instagram and Twitter accounts for updates on what's happening inside and outside of the World Trade Center. Voilà, comme ça, tout, partout dans le monde, vous savez ce qui se passe ici dans le World Trade Center. Send some of our love back to everyone watching. Okay. Yes, we can do that. Let's call the camera. Go the biggest video greeting ever. You guys are the biggest video greeting ever. Avec un des plus grands vidéos, nous allons voir maintenant. Alors, le caméraman, tu es prêt? Si nous sommes tous prêts, alors lançons. Voilà, notre caméraman est là. Comme ça, on nous voit partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire bonjour. Alors, nous sommes ici aux Philippines. Nous pouvons dire un peu de quelque chose de la culture des Philippines. Let's try it. Come on. One, two. Alors, on va essayer tous ensemble de dire 1, 2, 3, ciao.
tout le monde debout, allez-y. Oh yeah, we're gonna go a little lower. That's all. Can you all see us, Queen Jeff? Oh, we're on the screens. Yeah. All right. Voilà, tout le monde nous voit. Okay, we say Mabuhay in 3, 2, 1. Mabuhay! En Tagalog. Tell your friends, tell your families. Yeah, yeah, yeah. Watch it. Comme ça, vous pouvez saluer tous les gens de votre famille, tous vos amis, partout dans le monde qui nous regardent en ce moment. Et maintenant, nous allons écouter Gabi Mendoza de la Fazenda de la Esperanza. This letter to me is so valuable. Alors, je m'appelle Gabi et je viens d'une famille. Young people. Cette lettre, c'est le prisonnier qui parle. Cette lettre pour moi est aussi précieuse que les paroles de Kara Lubick lorsqu'elle écrit. Je peux imaginer que vous tous, vous ressentez un fardeau que la violence et le terrorisme imposent à des nations entières. Des jeunes qui ne sont pas beaucoup plus âgés que vous pensent qu'ils peuvent changer la société. Les personnes ne savent pas qu'elles peuvent vivre en paix. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ces paroles résument parfaitement ce que je suis en train de vivre maintenant et que je voudrais partager avec vous. C'est donc un prisonnier qui parle. En ce moment, je me sens abandonnée. Peut-être de la même manière que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, abandonné. Ce sens d'abandon est quelque chose que j'ai vécu dans les 4 centres de détention où je suis allée. Avec un garçon plus jeune que moi. Au début, ces enfants, ces jeunes m'ont fait peur, mais j'ai essayé de me rapprocher d'eux et j'ai compris que ce qui leur manquait, c'était d'être compris. Un manque d'occasion et par conséquent un manque d'amour. Je n'essaie pas de justifier leurs actions, mais eux aussi ont besoin d'amour et d'aide. Ils le demandent en attirant l'attention sur eux, de manière erronée bien sûr, mais c'est la seule façon qu'ils connaissent. Mes parents essaient de vivre pour un monde uni, et moi aussi depuis que je suis tout petit. C'est beaucoup plus facile quand vous faites partie d'une communauté qui essaie de vivre comme ça. Quand cet amour ne vous revient pas et que vous êtes entouré de voleurs et de meurtriers, c'est beaucoup plus difficile. Et lorsque cet amour ne te revient pas, que tu es entouré de voleurs et d'assassins, des gens qui ont peur de se laisser aimer, cela peut être difficile. Cependant, l'amour traverse toutes les frontières et c'est la vérité la plus précieuse, malgré ce que je vis ici. Au début, les autres garçons étaient contre moi. Ils voulaient même me tuer. Maintenant, ils viennent dans ma cellule pour demander des conseils ou de l'aide. Quand ils sont en mauvais état, qu'ils vont mal. Certains veulent même connaître quelque chose sur leurs jeunes pour un monde uni. Beaucoup demandent si je vais bien, si j'ai besoin de quelque chose. Certains m'appellent même frère. Ce que je vis ici peut être une invasion d'amour qui se répand dans les endroits où la violence règne, comme une pluie légère qui pénètre doucement dans les profondeurs de la terre. Merci à vous tous. Do you know that in the world right now, nous avons 66 murs. Sais-tu qu'en ce moment, dans le monde, nous avons 66 murs qui divisent les nations et 36 d'entre eux sont en Asie. Que le décalage entre riches et pauvres est à ses plus hauts niveaux depuis la moitié du siècle dernier et où un adulte sur 6 expérimente un problème de santé mentale tel que l'anxiété ou la dépression.
Et nous sommes à une époque où nous sommes plus que jamais connectés et pourtant nous voyons plus de solitude et d'isolement. Nous voyons les relations entre amis, voisins et familles qui se brisent, qui se dégradent par orgueil, incommunicabilité et absence de pardon. But what can we do? Nous voyons toutes ces barrières, mais que pouvons-nous faire? Nous devrions continuer à regarder le monde qui continue de cette manière, ou bien changer le cours de l'histoire. Restons spectateurs, ou bien être le premier à agir. Nous avons appris qu'en changeant de perspective, le monde devenait immédiatement meilleur que ce qu'il était. En nous changeant nous-mêmes, un pas après l'autre, et en commençant par de petites actions, nous devenons le changement que nous voulons voir. Nous l'avons appris car nous l'avons vécu. En allant au-delà des préjugés, j'ai appris que je peux partager avec mon voisin, même s'il existe une frontière politique. Au Salvador, en allant au-delà de la violence sociale, j'ai appris que je ne peux sans doute pas changer toute la société, mais que je peux changer mon mètre carré. En allant au-delà de moi-même, donc celui du Burundi, et de mes forces, j'ai commencé à croire en ma force personnelle. En allant au-delà du racisme, j'ai découvert la beauté des personnes d'autres tribus. Et le bouddhiste. En allant au-delà de mon histoire personnelle, j'ai été en mesure de commencer à zéro, de recommencer à zéro avec ma famille. Italie. En allant au-delà de l'indifférence, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai pris l'initiative de porter la paix là où je suis. Et qu'est-ce qui nous fait avancer? Nous savions que nous n'étions pas seuls. Nous ne sommes pas seuls d'ailleurs, et ils se regardent, et ils regardent le public. Toutes ces limites dans le monde, et oui, parce que si nous sommes ensemble, si nous les faisons se croiser, toutes ces limites, alors saisissons toutes les occasions pour construire des ponts plutôt que des murs. Nous voulons tout partager, moments de joie et de fête, de souffrance et d'échecs, en croyant qu'ensemble nous pouvons créer un monde plus uni. Nous sommes jeunes pour un monde uni. Applaudissements. Un chant du Gian Verde, vague d'amour. Un mot. Sur la chanson « Là où l'océan rencontre le sable, nous bâtirons des châteaux de nos mains. Là où la lumière du soleil rencontre la pluie, nous verrons les couleurs. » Je sais que tu n'es pas moi, tu as ta propre histoire, mais si je faisais mienne ton histoire, nous verrons briller le monde entier. Nous verrions briller le monde entier. Nous serons une vague d'amour, là sur la frontière, un raz-de-marée d'amour. Nous pouvons être une vague d'amour là sur la frontière. Nous serons une vague d'amour. Ensemble, nous sommes forts et si nous marchons unis, la révolution a commencé. Nous serons une vague d'amour là sur la frontière. Un raz-de-marée d'amour. Nous pouvons être une vague d'amour, là, sur la frontière. Nous serons une vague d'amour. Là où les eaux coulent librement, une nouvelle vie va sûrement s'épanouir. Where the mountains touch the sky, where the
surely grow. Beyond every border. Au-delà de toute frontière, c'est le titre du GenFest Magny 2018. Au-delà des frontières, de toutes les frontières, de chacune d'entre elles, qu'elles soient géographiques, culturelles, ethniques ou religieuses. Vous verrez maintenant le questionnaire sur l'écran. Ce programme de volontariat, de volontaires qui nous permettront d'aller aussi de l'avant dans chaque continent. Par exemple, vous trouverez sur le site beaucoup plus d'informations à ce sujet. Alors maintenant, attends une minute, notre slogan, au-delà de toute frontière. Qui va apparaître sur l'écran. We go beyond. We go beyond.